Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode au musée du Diamant Noir. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial concernant la police interne des mines. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer le rôle qu'avaient ces policiers internes des mines ainsi que la présentation de leur tenue. Charbonnage de France est l'une des seules entreprises françaises à posséder une police privée. Cette police a pour but de maintenir la garde sur les différents carreaux miniers afin d'éviter tout vol car ce matériel est très convoité. Ils doivent également garder l'ordre dans l'enceinte des différentes cités minières, comme par exemple veiller sur l'entretien des immeubles et maisons, à la propreté des différents trottoirs, et également à réduire les conflits entre voisinages. Cependant, ces policiers se permettaient de façon abusive de pénétrer dans les maisons de mineurs de façon à surveiller de plus près la vie quotidienne de chacun, jusqu'à même parfois rédiger des rapports sur leur vie privée. Une fois les puits arrêtés, ces policiers devaient également continuer à monter la garde de ces différents bâtiments afin d'éviter tout vol et vandalisme jusqu'à leur démolition ou réaffectation. En Lorraine, on pouvait trouver deux types de tenues différentes pour ces policiers. La première, la voici. Cette tenue est de couleur bleu foncé et possède une chemise à manches longues de couleur bleu foncé, une veste, un pantalon, une cravate noire, un sifflet, mais également d'une médaille, d'une paire de lunettes noires et d'un képi. Comme on peut le constater, le fournisseur officiel de ces tenues est la marque Balzan. De plus, on peut constater l'écriture HBL sur la veste et le képi brodée en fil d'argent. Cette médaille dorée est la médaille de la loi. Ces policiers recevaient cette médaille au tribunal, signifiant qu'ils étaient habilités à la garde particulière de Charbonnage de France. La seconde tenue que nous possédons, la voici. Celle-ci comporte une chemise à manches courtes de couleur bleu clair, d'une cravate noire, d'un sifflet, d'une veste, d'un pantalon, d'une paire de lunettes, d'une médaille, ainsi qu'un képi. Comme on peut le constater, sur cette tenue, on ne croise pas l'écriture HBL mais CDF, en fil d'argent signifiant Charbonnage de France. En période automnale et hivernale, ces policiers pouvaient compléter leur tenue avec de grands manteaux comme ceci, qui pouvaient également être fourrés. Ces manteaux sont également de marque Balzan. Dans le Nord, cette tenue était encore légèrement différente à celle-ci. Voici à quoi ressemble le képi du gardien ainsi que sa médaille avec, comme on peut le constater, un sabre traversant le symbole minier afin de montrer son autorité. En Lorraine, la médaille de la loi s'est légèrement modernisée. Faisons une petite comparaison entre ces deux médailles. Comme on peut le constater, seule la taille et la forme a changé. Néanmoins, on peut toujours constater l'écriture HBL et garde particulière ainsi que sa couleur dorée. De plus, il faut savoir que ces policiers avaient le droit de tir, c'est-à-dire le droit de tirer n'importe où et sur n'importe qui de façon à garder l'ordre et la discipline dans les différentes cités et carreaux miniers. Et enfin, il faut aussi savoir que ces différents policiers ne se déplaçaient pas à pied, mais avec des motobécanes LT comme celle-ci, de façon à parcourir les différents carreaux miniers, même si cela n'a pas toujours été très adapté. Voilà, ce 8e épisode au musée du Diamant Noir sur le thème des policiers internes des mines est désormais terminé. Restez informés de chaque nouveauté sur notre page Facebook et notre site web à l'adresse suivante, museelediamantnoir.free.fr, et à très vite !